Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Au sommaire du jour, Julia va nous faire un petit tour de l'actu et des sorties de la semaine. Ensuite, Thomas va nous présenter Punk Rock Jesus pour son J'ai lu pour vous. Et enfin, moi, je vais vous faire un petit tour sur les ennemis des Tortues Ninja parce qu'il y en a tout plein et que c'est tout bien. Et on va commencer tout de suite avec Julien. Salut à tous, de l'actu, des comics, c'est tout de suite. Du nouveau côté série TV, après The Walking Dead, Euro et Agents of S.H.I.E.L.D., une nouvelle série tirée d'univers des comics va voir le jour, elle s'appelle Gotham. Elle sera centrée sur le département de police de Gotham City, et notamment les premières années du commissaire Jim Gordon dans la ville. On nous promet aussi l'apparition de villas bien connues de l'univers, mais peu de chance d'y voir Batman lui-même. C'est la Fox qui a acheté les droits de cette nouvelle série, en collaboration avec la Warner Bros. Et Bruno Heller, le créateur de The Mentalist. Pas de date fixée pour les débuts de cette série. On reparle un peu d'All New Marvel Now, cette deuxième vague de nouveaux titres chez Marvel. De nombreux teasers ont été dévoilés, nous promettant notamment du mouvement du côté des X-Men de Bendis, ou encore du côté de Superior Spider-Man par Dan Slott. On pressent aussi une nouvelle série Silver Surfer par le scénariste Dan Slott, justement, et le dessinateur Michael Red. Toutes les réponses bientôt à la Comic-Con de New York, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'une nouvelle série She-Hulk va voir le jour, par les auteurs Charles Soule et Javier Pulido en février 2014. Tout de suite, les sorties du mois d'octobre. On débute ces sorties avec le retour au premier plan du format graphic novel chez Marvel, ces récits conçus pour des histoires individuelles et non des publications régulières. C'est le célèbre scénariste Warren Ellis, accompagné de Mike McCone, qui nous propose une aventure des Avengers avec un casting 5 étoiles et une histoire imaginée comme un long métrage. Rassemblement le 9 octobre. Avengers toujours, et si vous vous demandiez qui est le mec violet bizarre à la fin du film, eh ben déjà je suis pas fier de vous, hein, franchement, faut se renseigner un petit peu, non mais oh. Mais si jamais vous savez pas qui c'est, eh ben y a une mini-série qui sort, qui revient sur les origines justement de Thanos. De son enfant jusqu'à la tyrannie qu'il impose aujourd'hui sur l'univers, vous saurez tout, tout, tout sur le grand méchant tout violet, 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 violet. C'est signé Jason Aaron et Simon Bianchi, ça sort en kiosque le 15 octobre, et tu lis. Eh ouais, faut se renseigner un peu, on peut pas tout faire pour toi. Ah. Bon, des choses un peu moins connues maintenant, mais là je vous en voudrais pas. Ou pas trop. On commence avec la réédition d'une série qui a grandement marqué l'histoire, Kamandi, de Jack Kirby, publiée en 1972. L'histoire est inspirée de la planète des singes et se déroulant dans un futur apocalyptique où un événement mystérieux connu sous le nom de Grand Désastre a fait disparaître une grande partie de la population humaine et les quelques survivants ont été réduits à état sauvage dans un monde dominé par les animaux évolués et intelligents. Le jeune Kamandi se retrouve alors dernier survivant de son groupe et va partir explorer ce nouveau monde. Un des grands chefs-d'œuvre qui a influencé l'évolution du médium qui est le comic book. C'est pas rien. J'ai dit chef-d'œuvre, ça tombe bien, en voici un autre. Vous connaissez le scénariste Brian K. Vaughan pour les excellents Y Dernier Homme et Saga, mais avant ça, il avait écrit un autre trésor, Ex Machina. L'histoire suit le personnage de Mitchell Hundred, alors qu'il vient d'être élu maire de New York après les événements du 11 septembre. Mais Hundred a aussi un passé en tant que super-héros sous le nom de The Great Machine que l'on va découvrir par l'intermédiaire de flashbacks. Un récit très axé politique, plein de suspense et de très bons personnages dessiné par Tony Harris. On continue avec les petites perles indépendantes publiées par Urban Comics ce mois-ci avec le retour de l'auteur Paul Pop qui signe une nouvelle série intitulée Battling Boy. Un petit garçon nommé Battling Boy est envoyé par son père dans un monde infesté de monstres avec comme mission de se débarrasser de ses créatures. Et pour ce faire, il ne pourra compter que sur une carte de crédit magique et des t-shirts enchantés. Une belle histoire pleine de magie mélangeant les genres, qui n'est pas sans rappeler Ghostopolis, et qui devrait plaire aux amateurs du genre. Les tomes A de ces trois séries sortent tous le 11 octobre, alors tu cours acheter. Vous retrouverez aussi ce mois-ci le tome 2 de La Mort de Superman, encore plus passionnant que le premier. Le dernier tome de Brightest Day, qui offre une conclusion surprenante, à défaut d'être très inspiré. Le tome 2 Nightwing ou encore le tome 4 d'American Vampire. Chez Marvel, deux grosses rééditions avec les events de 2011 et 2012. Fear Itself revient en version deluxe avec des numéros en plus liés à l'event et Avengers contre X-Men s'offre une édition absolue dans laquelle vous retrouverez les 12 numéros de l'histoire principale, les 6 numéros d'AVX Versus et les Infinite Comics. C'est tout pour cette émission et dans la prochaine on parlera beaucoup de Thor avec l'arrivée du film, il y aura des dieux, il y aura du muscle, il y aura de l'éclair et des bisous. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de parler de Punk Rock Jésus. Punk Rock Jésus, c'est un comics dans lequel on va suivre la vie du clone de Jésus-Christ et toutes les personnes qui l'entourent et qui gravitent autour de lui.
L'histoire se passe légèrement dans le futur, à un moment où une émission de télé-réalité décide, pour faire un maximum d'audience, de cloner Jésus-Christ en se servant du suaire de Turin. Forcément, cette décision va déclencher et déchaîner les passions, notamment des fondamentalistes chrétiens qui ne vont pas être forcément très très contents de cette décision. On va suivre l'évolution de Chris, donc le clone de Jésus, d'année en année, jusqu'à ce qu'il devienne adolescent et que, comme beaucoup d'adolescents, il fasse une crise d'adolescence. Il a beau avoir été élevé dans le respect de la religion, et malgré que tout le monde attende qu'il se comporte comme un futur messie, ça reste un enfant comme les autres et il va se rebeller. Et il va notamment embrasser une carrière de chanteur de punk. Cette décision va avoir des lourdes répercussions, à la fois dans le monde entier, mais principalement sur son entourage. Punk Rock Jésus est scénarisé et dessiné par Sean Murphy. Et dans cet album, donc il est complètement aux commandes et il livre une partition sans faute. C'est vraiment un album qui est magnifique, hyper dynamique, très très bien dessiné, qui se feuillette et qui se lit d'une traite. Si vous avez aimé Punk Rock Jésus ou Joe l'Aventure Intérieure, je vous recommande très chaudement Off-Road. Off-Road qui est une œuvre de jeunesse de Sean Murphy que Urban Comics vient d'éditer en France. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de Tortue Ninja parce qu'il y a quand même un film qui arrive à grands pas. La première saison de la série animée qui s'est terminée, qui est juste énorme au passage. Et il y a deux séries de comics en cours chez Soleil. Du coup, moi, je vais vous présenter les ennemis principaux des Tortues Ninja. Comme ça, s'il y en a qui souhaitent se mettre à cet univers, ils auront déjà quelques bases. Alors, l'ennemi juré des quatre tortues est Shredder, de son vrai nom Oroku Saki. Shredder n'est jamais traduit en France, mais sachez pour l'anecdote que son nom veut dire déchiqueteur. C'est d'ailleurs pour ça que, comme le Batman, des fois, vous pouvez entendre le Shredder sous-entendu le déchiqueteur. Alors, dans la plupart des versions, le personnage est présenté comme ayant eu un passé commun avec Splinter, le sensei des quatre tortues. Les raisons de leur mésentente changent fréquemment, mais pour résumer, les trois quarts du temps, c'est à cause d'une femme. C'est des choses qui arrivent. Alors Shredder est un japonais en armure, plutôt musclé et maîtrisant les arts ninja, donc tout ce qui touche au corps à corps ou aux armes blanches. Pour l'anecdote, sachez qu'à la base, Shredder ne devait pas avoir une telle importance en fait. D'ailleurs, dans les comics de base, il se fait décapiter assez vite. De manière générale, ça reste un personnage qui a quand même énormément évolué, on l'a déjà vu en version cybernétique par exemple. Ennemi ou plutôt groupe d'ennemis suivant, le clan du foot dont Shredder est le leader justement. Étant donné que le comics Tortue Ninja était supposé être un comics parodique à la base, le Foot Clan n'échappe pas à la règle. Son nom, que l'on pourrait traduire par le clan du pied, fait référence au clan Hand ou clan de la main, présent dans les comics Daredevil. Ces personnages expérimentés dans l'art ninja représentent le plus souvent les ennemis de base des Tortues Ninja. Toujours dans l'entourage de Shredder, on peut noter le personnage de Karai, qui, selon les versions, c'est la fille de Shredder, c'est sa petite fille, ou la fille adoptive de Shredder, ou encore la fille de Splinter que Shredder a récupérée. Dans tous les cas, par contre, elle reste un membre du clan du foot placé assez haut dans la hiérarchie. Elle est compétente, dévouée et sans pitié. Son nom traduit japonais veut apparemment dire extrêmement sévère. Bon, ça c'est pas moi qui le dis. Autre super vilain très connu, Krang. Dans l'animé de 1987, le personnage est quand même pas mal entouré en fait. C'est une sorte de cerveau chewing-gum qui est commandant de l'armée des soldats de pierre, mais surtout qui est en possession du Technodrome, qui est une méga forteresse surpuissante et blindée d'armes. Banni de la dimension X, le personnage a deux buts. Son premier est de prendre le contrôle de la Terre, évidemment. Le deuxième est de récupérer un corps qui sera créé par Shredder pour sceller leur alliance. Dans le comics de 2012, c'est par contre un général, le général Krang, et dans la série animée actuelle, il n'y a pas un Krang, mais une race entière de Krang qui se déplace dans des androïdes afin de conquérir la Terre. Ouais, il y a des choses qui changent pas. Bon, ça, c'était pour les principaux. Maintenant, il y en a pas mal d'autres qui restent assez connus, comme le roi des rats, qui contrôle télépathiquement les rats ou avec une flûte. Il y a Baxter Stockman, souvent appelé tout simplement Baxter, qui est un scientifique complètement cinglé, spécialisé dans la robotique.
Ceux qui ont regardé la série animée de 1987 le connaissent surtout sous cette version, avec des papates et des petites ailes, et il fait bzz. Bref, c'est une mouche. Maintenant, dans toutes les autres versions, soit il reste un vilain scientifique, soit son corps est modifié cybernétiquement. A noter par contre qu'il a été confirmé que Baxter se transformera une nouvelle fois en mouche dans l'animé actuel. Ensuite, il y a les Mausers, créés par Baxter Stockman justement, qui sont des petits robots bien pratiques pour les séries animées, parce que du coup, les tortues peuvent les détruire. Bah oui, ils ne peuvent pas tuer les membres du clan du foot, ce sont des hommes, ça serait trop violent pour la télé. Alors du coup, bah, ils tapent sur du métal. Bon, il y en a encore quelques autres, comme Slash par exemple, ou encore les incontournables Bebop et Rocksteady, que j'adore, mais il n'y en a plus beaucoup le temps. Sachez qu'en plus de tout ça, il y a 4 tortues, un rat, la jolie April, Kazé, et vous serez prêts. Et voilà, c'est la fin du Tout Sûr qui marque également la fin de l'émission. On se retrouve très vite pour encore plus de comics, d'ici là, portez-vous bien, et n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. On vend des tortues. Ciao tout le monde!